Salut à tous, c'est Camitrek, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de cartes vraiment super sympa, totalement automatique, je suis sûre que vous allez adorer en tout cas, moi j'adore. On passe tout de suite à la démo du tour et après, les explications. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo et pour ce tour, un jeu de cartes, donc c'est un tour de magie totalement impromptu. On va pouvoir donner à mélanger et à examiner le jeu de cartes au spectateur. Maintenant, le spectateur va me dire un chiffre entre 10 et 20. Donc, comme je n'ai pas de spectateur, c'est moi qui vais choisir un chiffre. Mais normalement, c'est le spectateur qui choisit un chiffre. Du coup, moi, je vais choisir un chiffre entre 10 et 20. Imaginons 17. Donc, on va compter maintenant 17 cartes. S'il choisit 17, bien sûr. Mais je vous assure que j'ai choisi un nombre au hasard. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cartes, donc là il n'y en a pas 17, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maintenant, si on additionne les chiffres qui composent le nombre 17, 7 plus 1, ça fait 8. Du coup, on va compter la 8ème carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8ème, c'est celle-ci. Vous la regardez, je ne la regarde absolument pas. Voilà, normalement, elle s'affiche sur votre écran, je vous promets, je ne la regarde pas. Pardon. On va la replacer là où elle était et on replace ça par-dessus. Et là, si on attend un petit peu, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez formidable. Parce que si par exemple on compte le mot formidable, tiens, on fait F O R M I D A B L E E. La dernière carte du mot formidable, on a appelé toutes les lettres. C'est le Joker et je pense les cartes que le spectateur avait choisies. On passe tout de suite aux explications de ce tour de magie plutôt impressionnant. Allez, c'est parti pour les explications et pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de cartes avec que des cartes différentes que vous allez donner à mélanger au spectateur, voilà. Ensuite, le spectateur va vous dire un chiffre entre 10 et 20. Donc si, imaginons, il vous dit 13, voilà, c'est vraiment un chiffre au hasard, c'est totalement automatique de toute façon. Donc vous comptez 13 cartes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e carte. Et maintenant vous comptez les deux chiffres les deux chiffres qui composent le nombre 13 et vous les additionnez ensemble. Ça fait 13 plus 1 égale 4. Du coup on fait 1, 2, 3, 4e carte, c'est celle-ci. Ici le 3 de carreau, je le regarde pour les explications bien sûr, mais normalement le spectateur la regarde et le magicien ne la regarde pas. 3 de carreau placé, ensuite on replace cette partie-là bien dessus, hein, comme elle était au départ. On pose ça ici et vient ce jeu-là par-dessus, comme ceci. Et ensuite c'est automatique, on n'a plus qu'à compter les lettres formidables. On épelle le mot formidable, ça fait F, O, R, M, I, D, A, B, L, E. Et à la lettre E, on aura la carte que le spectateur avait choisie, le 3 de carreau, celle qu'il a choisie. C'était le tour de magie. Donc voilà, c'est un petit tour de magie, aucune manipulation, super simple à faire, pas besoin de travailler. C'est vraiment un super tour que vous aurez toujours dans votre répertoire, c'est super important. Parce que ne sous-estimez pas ces petits tours, ils peuvent être très impressionnants pour le spectateur. C'était le tour de magie, j'espère qu'il vous a plu, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, une vidéo le mercredi et le dimanche à 17h30 et une vidéo du lundi au vendredi pendant les vacances à 16h. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de lâcher votre plus gros pouce bleu et surtout de me donner votre avis dans les commentaires, c'est super important pour que je m'améliore. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Camitrek, allez, salut !